Salut tout le monde, c'est ZonePeace et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et même, je dirais même plus, le dernier épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et oui, donc on se retrouve pour ce dernier épisode. Alors, avant de commencer, quelques petites précisions. Pardon, j'ai pas fait exprès. Petite précision, je tourne cet épisode à la suite des autres, donc j'espère que la rétrospective vous aura quand même plu. Moi je sais pas du tout ce qu'elle donne au final, mais elle doit être pas trop mal, hein. Je me démerde un petit peu maintenant en montage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer? Ouais, donc je tourne à la suite. Je rappelle aussi que la rétrospective, je la fais parce que j'avais pas eu envie de faire une intro juste pour les 5 derniers épisodes de Skyward Sword, hein, voilà. Du coup, vous avez eu l'intro de base, et à la base de ça, vous avez eu une putain de rétrospective à la fin. Donc, je rappelle que la dernière fois, on avait... c'est là. Non, c'est où? C'est là. Non, voilà, comme ça. On avait farmé un peu... Enfin, farmé. On avait fait 2-3 potions, donc 2 potions rouges de base, une full améliorée, du coup, 2 fois full cœur, et un truc qui permet d'avoir les dégâts réduits de moitié. Donc je rappelle que on va faire le boss de finale, hein, en fait, hein. Mais je rappelle aussi que cette potion, si on l'améliore à fond, nous rend investis pendant je sais plus 5 minutes il me semble. Voilà, donc c'est une des astuces pour vaincre le boss. Je ne la fais pas exprès parce que j'ai envie d'un peu de difficulté, voyez-vous, sinon c'est pas du tout marrant, hein. Je peux vous le dire, c'est pas du tout marrant. Vous prenez 2 potions full améliorées de ça et vous y allez. Bref. Donc, on va devoir retourner dans le passé chercher Zelda. Ah, quelle tragédie! Alors que nous pensions enfin triompher, Dame Zelda s'est fait enlever. Link, tu dois absolument l'empêcher de la ré... Tu dois absolument empêcher la résurrection de l'avatar du néant dans le monde du passé. Ouvre vite la porte du temps pour te rendre dans le passé. Très bien. Et... Rattrape ce guignol, Link! Faut que tu sauves Zelda! Il a pas pris cher, je vous rappelle, il a pris un méchant low kick de Ghirahim en pleine gueule, là. Enfin, pas en pleine gueule, dans les côtes. Donc nous, on va retourner dans le passé. Et Impa qui est là. Salut Link, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas vu passer un mec? Ah bah si, ah d'accord. Aïe, est-ce toi Link? Ghirahim a eu raison de moi, mais... Wait a minute! Je ne suis pas d'accord. Si Impa s'est fait blesser dans le passé, dans le futur elle le savait que Ghirahim allait arriver et elle a pu prévenir Link que Ghirahim allait arriver et du coup on serait pas fait avoir comme des bleus. Je suis pas d'accord là. Il y a une faille spatio-temporelle encore une fois. Il y avait déjà eu une faille avec le fruit, hein. Vous souvenez-vous le fruit qui sauve le dragon de foudre? Là, il y a une autre faille spatio-temporelle. Il te faut partir à sa poursuite. Ah ouais, non, mais je suis pas du tout d'accord. Il a disparu derrière la porte de devant. Tu peux encore l'arrêter. Attends-toi. Mais on se veut dire qu'il y a 2 Zelda maintenant. Dans la même dimension. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à être difficile, le scénario, là. Hein. Et par contre, qu'est-ce que je fais, là? Bon, du coup, on va aller vers le boss, hein. Vous doutez que je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Faut terminer le rituel, jusqu'à ce que le seigneur du mal soit revenu à la vie. Ne laissez pas ce sale gamin s'approcher.
Donc, petite précision, voilà. Il a mis des barrières pour pas qu'on saute exprès, et là, il a fait la danse du débile. Voilà. C'est quoi cette danse? Vous pouvez tout s'y laisser votre vie, ça m'est bien égal, tant que vous gagnez du temps. Eux, ils y vont comme des cons. Ouh, la manette du bon. Ouh, Link est pas content. Alors normalement on est censé être entré dans le portail du temps juste après Ikari. Et je vous rappelle que dans la cinématique on était blessé aussi. Hein. Pour l'instant il n'y a aucune logique à cette fin. Franchement c'est une des fins où il y a le moins de logique je trouve dans les Zelda. Alors que d'habitude voilà, il n'y a pas beaucoup hein, de logique dans les Zelda. Mais là, ils ont quand même fait fort. Il y a full mob. S'en fout, les OS tous. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, c'est tout scripté. Ah, ceux-là on les OS pas, ils ont des bonnets, c'est des chefs. Regardez, lui il a pas de bonnet là. Voilà, ouais. Lui il a un bonnet, on le tue pas. What the fuck. Lui il a une bombe, on se casse. Ils ont tous des bombes. Salut. Il est bon ma côté. Oh. Ah putain. Alors là il y a tous les bokeblins que j'ai évité qui viennent. Mais ils ont plus leur bombe. Les bokeblins, putain. Allez go go go. On continue. D'ailleurs vous avez remarqué le ciel est très sombre, on voit pas trop. On voit pas trop les alentours, d'habitude c'est pas comme ça. C'est parce qu'il est en train d'effectuer son rituel. Putain, faut pas qu'on perde trop de cœur avant le boss quand même. Je faisais que ça avec bouger la manette, il voulait pas sortir l'épée, je sais pas pourquoi. On est tellement fort que même s'il se protège, ça les déséquilibre. La puissance de notre épée. Oh putain! Oh oh! C'est ma triche! Mais non! Il y a quand même un faux. Voilà, qu'est-ce qu'il va spawn? Le mob blanc bleu. Le mob blanc bleu. What? Wouah! C'est le maître des putes, lui. Ça, on peut pas lâcher. C'est un maître sabreur, lui. Ils ont un peu le même mouvement que Gary, voilà. Vous savez quand ils font ça. Oh, fils de pute! Il va le tuer, il appelle des potes.
Oh non, encore. Il est où? Il est où? Non! Putain! Il est où? Parlez-vous, putain! Là! Mets-moi le malin! Quand même! Bon, ça me saoulait là! Tiens! Allez! Non, pas lui. Mais arrête! Arrête de venir! Mais... On a fini, oh. On peut pas s'arrêter. Voilà. Un checkpoint, on va dire. Oh, le stuff fous. Bon. Mais j'ai mis le bouclier! Voilà. Les bras leur ont tombé. Vous pensez qu'il y a un capitaine Stalfos à la fin? Oh non, il y a lui là. Il se casse. Cours, cours, cours. Ok. Je suis assez concentré, hein, vous l'aurez remarqué, je pense. Vas-y, casse ton bouclier, pédé. Il veut pas casser son bouclier. Voilà. Bon, perdu 6 coeurs. Je pense qu'on est à la fin là. Ouais, on est à la fin. Faut pas sauvegarder, vous aurez remarqué. C'est fait exprès. Oh. C'est tout? C'est que je vois pas sous mes angles. Voilà. Tu arrives trop tôt, petit. Tu
tu n'y connais visiblement rien en rituel, alors je vais t'instruire un peu. Les rituels, ça prend du temps! Alors tu vas attendre bien gentiment. Tu as compris? Sale petite cloporte. C'est mon moment de gloire. Oh, et puis qu'importe, je vais m'occuper de toi. Mais à présent, fini de jouer. Je ne puis par trois fois connaître la défaite face à un humain. C'est hors de question! J'ai senti tout de suite que ça n'irait pas entre nous. J'ai été clément avec toi. Et voilà comment tu me remercies. Vois-tu, j'ai mon image de serviteur du mal à préserver. Alors j'ai fait des efforts pour toi. J'ai tout enduré avec dignité. Mais toi, tu n'as fait qu'en profiter pour me rouler dans la honte. Encore et encore et toujours. Je ne suis pas une lame émoussée au point de me laisser marcher dessus. Pas un sale muage dans ton genre. Donc oui, c'est l'équivalent de fait en mal. Je vais te faire subir l'ultime supplice démoniaque, l'abîme sans fin. Tu seras sans cesse assailli par la formidable puissance de mes coups, et lorsque tu seras acculé au bord du gouffre, je te précipiterai en bas. Oui, je vais t'envoyer en enfer, où tu iras nourrir le seigneur du mal. Donc oui, c'est le côté... C'est fait, mais en méchant, vous voyez. Alors, je sais plus comment on fait. Hop là, pour le tuer. Faut le taper, à mon avis. Ah oui, faut faire tomber. Ah oui! Bien dit, en plus. Tiens. J'aurais failli faire d'en haut, mais ça n'a pas marché. Ça fait un... Oh putain, ça fait... Voilà, exactement ce qu'il a dit qu'il allait nous faire, en fait. Oh! Salut. La musique est juste épique, hein, en passant. Ah, ça remonte à chaque fois, d'accord. J'avais pas remarqué ça. Donc c'est pas encore le boss, hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut le trouver un peu simple. Ça date, hein? Ça, c'est en gros le mini-boss. Il m'a fait bien mal, on dirait. Oh! Fallait foutre un coup de bouclier, là. On prend une potion normale. Je garde les autres pour le boss. Mais non, j'ai mis le coup. Ah, j'ai pu lui casser son épée. Putain. Vraiment avoir des réflexes de samouraï. Mais non! Non, là j'ai mis un coup de bouclier, ça m'a fait un attaque tornade. Faut pas abuser quand même.
Les bombes, ça te fait quoi? Rien du tout. Non, 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 j'appuie sur. Putain, le réflexe! Putain, Link est trop lent. Non! Je crois pas. En plus, il se relève, il a le bouclier comme si je l'avais fait, quoi. Non! Non! Mais je refuse les gens. Je refuse. Je vous jure que je mets le coup de Nunchu. Non, putain, ça a pas touché son machin. Je suis sûr qu'il faut le coup des stocks, ça se trouve. Oh! Dedans, mais ça pas suffit. Mais allez, je tape les épaules. Moi aussi. Ouais. Là. Non, mais vous avez vu, il a encore fait une attaque tornade. Non, putain. J'avais le coup de bouclier, c'est pas possible. Non, c'est beaucoup trop lent. Ah, j'ai pas envie d'essayer une deuxième potion maintenant. Non, putain. Non, putain. Esquive. Non! Oh putain! Tu peux l'utiliser deux fois, je rappelle. Oh putain! Là! Ah putain, il est chiant, hein. Je déteste Garim. Ce sale petit morveux! What? Ok, faut le mousser son épée. Il arrête pas ou quoi? Quand on est trop loin de lui, il répare son épée. Non! Mais je mets. Ça sert à rien de mettre un coup de pied quoi. Non, répare! Putain, salaud! Mais j'ai mis le coup! Ah, oh, ça me saoule! Ça me saoule les gens. Je rage. C'est très la rage. Arrête de réparer! Non! Dans le dos quoi, j'ai même pas le temps de réagir.
Putain. Je faisais que des coups de stock, ça faisait des coups de tornade. Non! Non! J'ai appuyé sur A. Je suis désolé, je sais pas Mira. Je suis désolé. Allez, répare, PD là. Je comprends pas comment on fait pour tenir. Pourquoi il nous repousse des fois? Parce qu'on n'a pas le temps de la casser son épée. Voilà! Non, t'as pris cher là! Ça te calme ou pas là? Putain! Me saoule là! Oh nom de Dieu! Incroyable, tu es parvenu à déjouer l'abîme sans fin. Comment ai-je pu être battu par un humain? Suis-je condamné à la défaite? Pourquoi ne puis-je te vaincre? Qui es-tu donc, petit? Mais je me vois dans l'obligation de te décevoir. Le rituel s'est achevé pendant que nous combattions. Le seigneur du mal va absorber l'âme de la déesse et pourra revenir à la vie. Le banni. Ah mais c'est comme ça ! Pardon. Et donc il va retrouver sa véritable forme. C'est toi qui as perdu! Le monde appartient désormais au démon! À mon maître! J'ai plus de piles. Je sais pas pourquoi il y a mon ordi qui charge depuis tout à l'heure. Calme-toi! PC. Gentil PC. Et donc voici la véritable forme. Qui est aussi ma miniature. Tout s'explique, n'est-ce pas? Il ressemble beaucoup à Ganondorf. Je pense que c'est voulu, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Vous êtes de retour, mon maître. Alors on voit que Kirim est en fait une grosse merde. Il se fait contrôler comme ça, voilà. Et on a galéré à le battre. Donc ça c'est l'épée de légende. En mode dark. La manette! La manette vibre! Même. Hey, regarde petit. Bon, ma boîte de dialogue est plus dark que le tien. C'est donc toi, le chevalier des ADS. Quant à toi. C'est pathétique. Pour avoir une chance de me vaincre, tu t'es rendu humaine. Comment as-tu pu tomber aussi bas, déesse Ilia? Toi qui étais autrefois si noble et brave.
Ouais. J'aime la cape. Link, Zelda va bien. Y'a 4 tas. Allez, on va pouvoir tuer l'autre là. Alors, toi et cet autre humain, essayez de sauver la déesse. Intéressant. Je croyais que les humains étaient tous des êtres faibles, tout juste bons à gémir et pleurnicher. Vous êtes donc les descendants de ces lâches qui, au moment de se battre, se sont contentés de se cacher dans les jupes de la déesse. De plus en plus intéressant, un humain qui ose me défier. Qu'il en soit ainsi, je t'affronterai en un lieu où nous ne serons pas dérangés, si tu en as le courage. J'ai la triforce du courage. Link, c'est pas encore perdu. D'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse là. Ce Link là est le seul à pouvoir contrôler entièrement la Triforce. L'autre Link de Ocarina of Time par exemple, la Triforce, il la maîtrise pas vu qu'il est un gamin. Et du coup, il n'a que celle du courage. La Triforce de la Force va à Ganondorf et celle de la Sagesse va à Zelda. Donc voilà, c'est pour la petite précision. Donc c'est je crois que c'est le seul hein, qui peut contrôler entièrement la Triforce. La vieille m'a dit que même si ce sale type a absorbé l'âme de Zelda, on a encore du temps avant la fusion complète. Donc si tu parviens à le battre à temps, Zelda sera peut-être sauvée. Alors courage Link, tu es le seul à pouvoir le faire. Je peux encore fuir. Tu peux encore fuir si tu tiens la vie. Montre-moi digne de ton espèce et va pleurer sur ton sort avant que je ne domine le monde. Mais si tu as la volonté de te rebeller contre mon joug démoniaque, viens donc me rejoindre, je t'attendrai. Tu peux le faire, Link. Donc en gros, là, il vient de se cacher le temps que l'âme de Zelda fusionne entièrement avec son corps. Donc s'il vient pas à temps... Domaine, il vient, d'accord. Oui, mais t'as les commandes de...